Front populaire ivoirien en Côte d'Ivoire, sale temps pour Assouadou, la police judiciaire se trousse. Plus de détails après le générique. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification, car cela va vous permettre de ne plus manquer les prochaines vidéos. Docteur Assouadou, secrétaire général du Front populaire ivoirien, est à nouveau convoqué au service des enquêtes générales de la préfecture de police d'Abidjan. Le secrétaire général du Front populaire ivoirien a reçu une nouvelle convocation du service des enquêtes générales de la préfecture de police d'Abidjan. C'est le service de communication du Front populaire ivoirien qui a donné l'information dans une note relayée sur les réseaux sociaux. Le proche de Laurent Gbagbo est invité à se présenter jeudi 10 avril 2020 sur le coup des 10h dans les locaux de la préfecture de police d'Abidjan située sur l'axe Abobo à Djamé. La préfecture de police d'Abidjan a déposé ce mercredi 1er avril aux environs de 12h30 une convocation au domicile du secrétaire général Assouadou. Le secrétaire général doit se rendre demain, jeudi 2 avril à 10h, au service des enquêtes générales de la préfecture de police, informe le parti. Cette énième convocation de ce cadre du parti de Laurent Gbagbo intervient seulement un jour après la décision de la Cour de cassation ordonnant à la Chambre de première instance d'engager des poursuites à son encontre. Le lundi 23 mars dernier, Assouadou avait refusé de répondre à une convocation similaire des services de police. Ses avocats avaient levé une exception de droit pour signifier à la police qu'elle n'avait pas cette compétence. En vertu des dispositions de la loi numéro 2005-201 du 16 juin 2005 portant statut d'ancien chef d'État, chef d'institution et de ministre. En définitive, recours a été fait à la Cour de cassation, à l'effet d'autoriser la justice à ouvrir une enquête contre l'ancien ministre. Selon une source proche du Front populaire ivoirien, il lui serait reproché le fait d'avoir incité, par les déclarations des partisans de sa formation politique, à des manifestations de rue ayant causé plusieurs casses et saccages des centres d'enrôlement et du matériel d'enrôlement pour les cadres nationaux d'identité.